Salut tout le monde! Ce soir, c'est les vacances? Ce soir, c'est les vacances. Pas de thème? Je réponds à vos questions de com. Alors, est-ce que ce soir, comme il n'y a pas de thème, est-ce que vous serez là? Moi, je suis en mode vacances. Je n'ai rien préparé. Ce soir, on échange. C'est la première fois depuis 6 mois que je n'ai rien préparé. C'est les modes vacances. Merci et rando. C'est ça. Et je crois que c'est le... j'ai plus ton prénom, mais je vois qui tu es sur My Job Glasses. Ça va très bien. Et vous? Bonsoir Valérie sur LinkedIn. Bonsoir Ambre. Bonsoir Edith, Alexandra. Ouais, tout le monde ok sur... Bonsoir sur un nuage, ISE. Plein de monde ici présent. Pas de thème aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis mis en mode... Mon t-shirt avec, pour que Lily me voit, avec les palmiers. C'est mon t-shirt de paddle, mes lunettes de paddle, mode j'ai rien préparé. Et je réponds à vos questions. Les modes, c'est le mode vacances, exactement. J'ai une ou deux questions de toute façon, je crois, qui ont été posées avant que je vais traiter. Mais en tout cas, c'est now. Posez-moi vos questions ce soir, pas de thème précis. Maximum 1 heure, minimum le temps des questions. Je réponds à toutes vos questions. C'est now, c'est maintenant. Toutes celles que vous voulez poser, un bug, quelque chose qui bloque, un paramétrage, aller dans le plus profond, une question large. À quoi ça sert les réseaux sociaux? Si c'est ça votre question, on repart depuis le début. Salut tout le monde, salut tout. Ah, c'est Laura. Laura. J'allais dire Laure, mais c'est bien Laura ton prénom. Alors, bougez pas, je vais juste faire ceci. Bonsoir tout le monde, en tout cas, Viviane, Pascal, Véronique, vous êtes là même sans thème, c'est ça que je voulais aussi voir, est-ce que quand il n'y a pas de thème, et je suis en mode vacances, hein. Je suis détendue, je n'ai rien préparé, je vais attendre vos questions, et allez-y, ça va commencer maintenant. Je crois d'ailleurs, et je ne l'ai plus en tête parce que j'ai tellement rien préparé que je n'ai même pas relu les questions que vous m'avez posées en commentaire. Donc, pour tous ceux qui m'ont déjà posé des questions en commentaire, réécrivez-les tout de suite. Comme ça, je les ai devant les yeux. Ouais, Dominique, carrément zen. Et je vous avoue que j'ai fini de toute façon à 20h. Donc, je n'aurais pas pu préparer ce soir. Et c'est pas plus mal. Effectivement, Pascal, tu as aperçu... Mais chut, c'est entre nous. Projet en cours. En tout cas, sur bonsoir Linda, toujours en pleine forme. Oui, en pleine forme, parce que je sais que je vous retrouve. Hein. Il y a une demi-heure, j'étais là. J'ai enfin fini ma journée à 20h. Oui, c'est ça, petits yeux, ça se voit. Ça commence à être difficile, faut que je vous l'avoue. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui ne sautera pas, c'est les mardis soirs. Ça, c'est sûr. Avec vous, parce que ça me donne une pêche de fou. Et jusqu'en juin, jusqu'à mes vacances, c'est sûr que je reste avec vous. Après, on verra. J'ai bonne mine, c'est ça. Mais c'est le t-shirt jaune qui fait bonne mine, je pense. Mon t-shirt vintage vacances 1982. Sur Insta, vous le voyez, pas sur LinkedIn et YouTube. Mais... Alors, c'est quand même assez intéressant aussi de faire des thèmes libres. Attendez, hein, je cale, j'ai peur de renverser mon verre. Je le cale bien. Parce que... Le principe ce soir, donc parfait, j'ai des questions qui commencent à arriver, je vais les traiter, c'est de me poser les questions, parce que d'habitude j'ai un thème, vous avez des questions du coup, mais on reste souvent dans le thème, et je ferai ça de temps en temps, je leur ferai peut-être dans un mois ou deux encore un thème libre. Il y a des choses qui bloquent, je vous vois parfois en formation, parfois vous ne regardez que les mardis soirs, donc des fois vous n'avez pas la possibilité de me poser des questions. Des fois vous me les posez en privé, mais je réponds pas, ça passe à l'as et je passe à autre chose. Et je m'en excuse pour tous ceux dont le planning, je suis en retard, je n'ai pas encore répondu pour les dates de formation, que en privé je réponds pas à vos questions, relancez-moi. J'en suis au stade où malheureusement c'est dur de répondre à tout le monde, mais en tout cas mes journées sont très rempli,
Et je fais au mieux, mais je suis humaine. Et dimanche, je peux vous dire que j'ai passé ma journée à dormir, par exemple. Alors, je vais reprendre des questions. Merci en tout cas d'être tous là. Hein. Bonjour Émilie, Dominique, Laurence. Ah, est-ce que j'ai saoulé quelqu'un? Ah non, j'ai gagné quelqu'un. Magnifique. J'adore ce truc. Alors, Valérie, c'est à propos du livre blanc. Valérie, je te demandais d'être collaborative et d'aller me copier-coller ta question que tu avais écrite. Je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus, mais je répondrai après. Alors, Pascal, alors attendez, mettez-les, puis je reviendrai de toute façon sur les questions. Alors, je crois qu'effectivement, la première question, c'était Laura, justement, dans l'ordre, hein, je vais prendre dans l'ordre. Laura me dit, pour vous, tu peux me tutoyer, Laura, hein, qu'est-ce qui caractérise un bon compte Instagram? Waouh! Attendez, je vais boire un coup. Alors, un bon compte Instagram, attention, je ne pourrais pas répondre à 100%. Pour moi, Instagram, c'est pour développer son image dite personnelle. Et je ne me suis pas trompée de mot en disant ça. C'est l'image personnelle que l'on veut déployer sur les réseaux. Instagram est le parfait réseau pour ça. Donc, quand je parle, c'est de l'image de marque aussi. C'est son branding. Plutôt pour moi, même si c'est une marque, on peut avoir une image de marque ou une image personnelle, c'est vrai. Le but, c'est que un bon compte Instagram, pour moi, c'est que quand j'arrive sur le profil Instagram, je comprends en un coup d'œil ce que la personne fait ou ce que la marque propose, quelle est sa ligne directrice dans sa communication. Je pense que si vous allez voir mon compte Instagram, vous pouvez tout de suite comprendre que ma baseline, c'est « good vibes only » ou « bonne humeur ». Il y a des couleurs colorées, je souris sur chaque vignette ou chaque photo avec les dents. Vous voyez toujours mes dents quand je souris. Je dégage en tout cas l'énergie positive que vous retrouvez en direct. Donc, un bon compte Insta pour moi, c'est que quand j'arrive dessus, je comprends d'un coup d'œil en regardant le feed, le mur, toutes les photos postées, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qui émerge de là. Et également dans la bio. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième critère pour moi d'un bon compte Instagram, c'est pas le nombre d'abonnés. Ça ne veut absolument rien dire. Vous pouvez avoir, 15 000 abonnés comme 25 000 abonnés comme 100 000 abonnés. Vous pouvez avoir un compte qui ne vous sert à rien. D'accord? Pour moi, le deuxième critère, ce n'est absolument pas le nombre d'abonnés, c'est l'interaction que l'on fait avec son audience au fil des posts. Parce que quand on clique dans le fil, on voit à peu près justement si les gens réagissent, s'il y a des commentaires, s'il y a des échanges. Et pour moi, un bon compte Insta, c'est aussi un compte qui répond aux commentaires et qui échange vraiment avec sa communauté. Voilà pour moi les deux critères. Il y en aurait plein d'autres. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Laura, mais s'il y en a d'autres qui veulent surenchérir, vous pouvez en question, on y reviendra peut-être. Mais voilà, pour moi, c'est d'un coup d'œil et c'est le réseau sur lequel on peut le faire. Je consulte le feed, enfin le profil de la personne. Je comprends tout de suite son univers, ce qu'elle propose ou ce qu'il propose. Et voilà, moi, vous ne pouvez pas louper que je vous vends du rêve, non. Mais que je suis formatrice, vous ne pouvez pas louper que je donne de l'information. Alors qu'effectivement, quelqu'un qui va faire des articles couture, par exemple, en voyant ça, je ne veux pas que des articles couture, mais je veux aussi voir la personne qui coud. Donc voilà, voir un peu l'univers global. J'espère que ça a répondu à ta question. Donc oui, Sylvie, victime de mon succès. Ouais, j'en suis là où justement je souffre de ça, mais on va y arriver. Donc c'est comme un positionnement personnel au final. Oui, hein, tout à fait. Tout à fait. Pour moi, oui, en tout cas. C'est ma vision et ça n'engage que moi. Hein, dans ce que je vous dis dans tous les directs du mardi soir, c'est selon mon expérience, ça n'engage que moi et on peut avoir un avis différent et me prouver au contraire que ça marche différemment. Et je l'entends, hein, c'est vraiment ce que moi, je ressens. Alors, avant de répondre à Edith sur Instagram, je vais répondre dans l'ordre. Nous avons Pascal qui nous pose la question. Je galère encore à savoir comment créer et gérer une page Facebook pro. Alors, tu n'as pas de page Facebook pro, Pascal. Il me semble que tu en avais une pour la gérer finalement. Alors, si elle n'est pas créée, il faut la créer.
Donc là, au pire, on verra. Enfin, c'est simple, hein, tu vas sur Facebook, c'est toujours attaché à un compte personnel. Donc en haut, tu auras un bouton. Alors c'est vrai que ça a changé Facebook, mais dans la petite flèche en haut, tu auras créé une page. Du coup, il suffit de renseigner titre, description, photo, etc. Une fois qu'elle est créée, ça ne s'arrête pas là. Comment gérer une page, c'est surtout comment. Enfin, c'est surtout qu'il va falloir publier régulièrement. Une bonne communication, je le répète toujours, une bonne communication est une communication régulière. Je répète, une bonne communication est une communication régulière. Allez, tous en cœur. Une bonne communication est une communication. Eh, je vous ai presque entendu. On est pas mal. Comment gérer sa page Facebook, c'est surtout comment écrire régulièrement. Qu'est-ce que j'écris? Donc là, c'est avec tous les directs du mardi, on a déjà quelques pistes, mais comment je la gère, je la complète régulièrement, je poste régulièrement à mon audience. Une des questions qui peut vous... Je le dis dans pratiquement 80% de mes formations, alors que c'est pas forcément toujours réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'étais en formation newsletter. C'est toujours la même question. Ça peut te mettre sur la piste, Pascal. Pour savoir comment gérer sa page, quoi écrire et qu'est-ce qu'on peut faire avec, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les gens me suivent? Pourquoi les gens seraient intéressés à me suivre, à consommer mon contenu? Pourquoi vous êtes là tous les mardis? Qu'est-ce que vous attendez? Et moi, j'ai répondu à cette question grâce à vous. Donc, demandez aussi à votre audience qu'est-ce qu'elle aimerait voir. En plus, finalement, peut-être des coulisses, des produits, qu'est-ce qu'on aimerait avoir en plus? Et ça, c'est la vraie question. Donc, Pascal, pareil, hein, c'est toujours très dur ces exercices de questions-réponses en live parce que je ne vous ai pas en train d'échanger. Mais gérer une page Facebook pro, on s'en fout presque des paramétrages. Je vais un peu vulgariser, mais les paramétrages, c'est surtout pour rassurer que tout va bien. Mais garder tout ouvert, après, c'est surtout le contenu. Donc, salut Christelle. Entre-temps, j'ai les... Alors, attendez, je remonte. Ah, du coup, il y a pas mal de questions. C'est cool. Donc, salut Christelle. Salut Véronique. Alors, Véronique, j'ai programmé une notification pour demain après. Alors, pour demain, après avoir validé, je ne l'ai plus trouvée. Elle est partie où? Là, on a une parfaite question de petit bug ou de... On m'a pas écouté dans la formation Facebook. Hein, Véronique, dis donc, je l'ai dit, mais c'est vrai, à ta décharge, c'est pas écrit dans le support, il me semble. Alors, ouvre bien tes oreilles, Véronique. Il est à deux endroits. Je sais que tu es plutôt téléphone, d'après mon souvenir. Donc, tu ouvres ton téléphone, tu vas dans Suite Business, tu te rappelles la petite application dédiée à Facebook et Instagram pour programmer. Tu vas dans le deuxième petit icône où il y a les deux petits carrés. Pas le premier, parce que là, tu y es déjà. Le deuxième, juste avant le petit crayon bleu. Donc, les deux petits carrés qui se chevauchent. On est dans les publications. En haut, tu as le mot « publier ». Tu cliques dessus parce qu'à côté, il y a une petite flèche pour un menu déroulant et tu vas dans « programmer » et tu devrais la retrouver. Et tu vas me dire en commentaire si tu la retrouves et si tu as pu manipuler en même temps. Tout ça de tête, je trouve que c'est pas mal. Donc, je pense que c'est là, Véronique, dans le petit icône, tu changes entre publier et programmer. Véronique, tu me poses une deuxième question. Le petit drapeau orange près du notif. Donc, j'imagine que tu me parles sur Facebook. On a un drapeau, on a les notifications dans la cloche. Jusque-là, tout va bien, notre cloche Facebook. À côté, quand il y a un drapeau, c'est que la notification concerne une de tes pages. En tout cas, Facebook s'adresse à toi en tant que gestionnaire d'une page. Le drapeau orange, c'est le logo anciennement des pages. Donc, je ne sais pas ce qu'il te dit dans cette notif, mais c'est peut-être votre publication a été programmée, mais en tout cas, ça te parle à toi, la gestionnaire de la page, tout simplement. Rien de bien méchant. Alors, Valérie, et après, je reprends sur Insta, parce que des questions sont arrivées, notamment hein, celle d'Edith, que j'ai pas pris tout à l'heure, mais j'essaie de faire dans l'ordre. Sous quelle forme, donc Valérie me dit sur LinkedIn, sous quelle forme peut prendre un livre blanc? C'est pareil qu'une newsletter pour des services éventuellement. Alors,
C'est pas pareil, un livre blanc et une newsletter. Attends, je vais essayer de prendre ça dans l'ordre. J'ai parlé de newsletter toute la journée en plus. Alors, une newsletter, on est d'accord, c'est un envoi régulier de mail à une audience qui s'est inscrite à notre newsletter, ou en tout cas à une audience à laquelle on a récolté des mails. Le livre blanc sert d'alibi pour récolter ces mails-là. C'est-à-dire que le livre blanc, souvent, c'est la première étape pour récolter des mails. Et quand on les a, on envoie des newsletters à ces emails. Le livre blanc, c'est quelque chose que l'on offre sous forme parfois de PDF. Jusque-là, tout va bien. Un document, hein, tout simplement, une procédure, les 10 étapes pour gérer son administratif en externalisé, pour Valérie, hein, ou la checklist d'une bonne assistante, ou la checklist du... Qu'est-ce qu'on pourrait avoir, la checklist pour toi dans le... la checklist pour savoir si vous devez externaliser votre gestion administrative, etc., etc. Et en échange de ça, tu leur demandes leur email et instantanément, dès qu'ils t'ont donné leur email, ils reçoivent ce fameux livre blanc. Et toi, bien sûr, en même temps, ils ont coché qu'ils s'inscrivent à la newsletter, sinon ils peuvent pas le recevoir. Et ensuite, tu vas pouvoir leur envoyer des mails. Donc, vous pouvez avoir un livre blanc, deux livres blancs, trois livres blancs, quatre livres blancs, peu importe, parce que les gens auront peut-être des besoins différents dans votre audience et vous donneront le mail pour peut-être pour que le deuxième livre blanc ou le quatrième livre blanc ou que le premier. Donc, allez-y gaiement. J'espère que ça a répondu à ta question, Valérie. Véronique me dit entre-temps qu'elle l'a retrouvé. C'est génial. Parfait. Donc, c'était juste... Donc, note-le bien, Valérie. Véronique, en tout cas, Valérie, j'espère que ça a répondu à ta question. Tu me dis hein, si je dois argumenter ou pas. Edith me dit « J'aimerais apprendre à faire des réels. Qui me conseilles-tu » Alors, je vais te conseiller déjà de t'inspirer beaucoup. J'ai pas de contact là à te donner. Si tu patientes un petit peu dans les défis des prochains mois, il va y en avoir. Parce que je crois que tu es inscrit au défi. Je rappelle à tous ceux qui sont là. Vous savez, j'ai une newsletter, moi, qui sont en fait des défis que je vous envoie tous les 16 du mois. Et ce n'est pas une façon de parler, c'est vraiment le 16 du mois. Je vous envoie en fait un défi de communication à poster sur vos réseaux sociaux ou sur votre site pendant le mois qui arrive. Et en tout cas, ce mois-ci, ce n'est pas ça. Hein, ce mois-ci, vous l'avez reçu. Mais du coup, par exemple, je pourrais me dire, je l'avance parce que je fais un petit tuto justement quand je pensais faire ce défi-là. Il est prévu que dans 2 mois, mais je pourrais l'avancer d'un mois et dit en cas. Sinon, je n'ai pas de personne encore dans mon entourage à te conseiller, à part YouTube, à part Google, qui est ton ami. Et il n'y a bien quelqu'un ici sur cette planète Terre qui a un tuto gratuit de comment on fait des réels. Si tu peux patienter les futurs défis, pourquoi pas? Sinon, Google, hein, Google, vous avez des tutos dans tous les sens. Parce que ce n'est que de la pratique. Après, il y a les idées du réel. Je rappelle hein, ce que c'est un réel. C'est sur Instagram, ce sont des petites vidéos courtes. Vous l'avez déjà vu, où les gens claquent des doigts et ils se changent. Ou alors, vous l'avez déjà vu, c'est par exemple, je suis pas maquillée, je fais ça et je suis maquillée. Donc, vous avez plein de petites choses qu'on a vues passer. Et c'est ce qui permet d'engager pas mal sur Instagram et gagner une visibilité. Moi, je n'en ai pas encore fait par manque de temps, de choses et d'autres. Mais en tout cas, c'est une forme assez sympa. Donc voilà, Edith, j'espère que ça a répondu. Mais d'abord, Google, essaye. Si j'ai un nom qui me vient entre-temps, je reviendrai vers toi. Sinon, il y a un défi comme ce mois-ci où je ferai une petite vidéo tuto assez rapide. Voilà, ça peut répondre à ta question. Je regarde juste, donc Laura me dit super, merci. Je regarde juste hein, la vidéo. Tu ne nous as pas entendu ici. Si, Gabin, je t'ai entendu dire régulière. Si, je t'ai entendu. Donc, ok, quelle appli tu utilises pour programmer les posts? Et après, je vais reprendre ici. Véronique qui me dit, tu vas être pompette. Il m'en faut plus, Véronique, hein, pour être pompette.
Donc là, on est pas mal, là, on est pas mal. Salut Fabienne, hein, même pas sûr pour Pascal. On va. Pascal, en tout cas, effectivement, je pense que tu as déjà l'outil. Maintenant, il faut communiquer encore. Alors, avant de prendre Laurence sur Facebook, je vais juste répondre à Edith. Quelle appli tu utilises pour programmer? Alors, j'ai pour Facebook et Instagram, j'utilise l'application gratuite dédiée et développée par Facebook qui s'appelle Suite Business. C'est sur le téléphone. Suite Business à télécharger, elle est gratuite. C'est l'anciennement le gestionnaire de page. Certains connaissaient sous le nom de gestionnaire de page. Et on peut programmer à la fois sur Facebook et à la fois sur Insta ou que sur Insta ou que sur Facebook. Sur PC, ça existe. Vous allez sur votre page pro et ça s'appelle le Studio Creator. Vous allez dans votre page pro, dans Outils de publication et Studio Creator ou Creator Studio, pardon. Et là, vous aurez la même fonctionnalité de programmation. Il y aura le replay, hein, si vous n'avez pas tout noté. Pour LinkedIn, j'ai découvert que Canva, et alors j'ai découvert il y a un petit moment maintenant, mais en tout cas, Canva permet la programmation sur les réseaux sociaux. Et du coup, comme je payais déjà Canva pour mes visuels et surtout le détourage en 1 seconde des photos, ouh là là, mon Dieu, depuis que j'ai découvert ça, j'ai lâché Photoshop. Et surtout parce que je l'utilise avec vous, donc il fallait que je le manipule. Canva propose la programmation et moi, comme j'ai que 3 réseaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, je programme LinkedIn avec Canva. Tout simplement, comme ça, je n'ai pas de coûts supplémentaires. Il existe bien d'autres applis, chacun ses habitudes. J'ai eu pendant un petit moment Swello, qui est un petit Toulonnais. Enfin, un petit, c'est pas du tout un petit, pardon, mais en tout cas, une entreprise toulonnaise. Donc, je l'ai pris, entre autres pour ça. Elle est très accessible, au niveau fonctionnalité. Elle vous permet de programmer au même endroit tous vos réseaux. Mais comme je dis toujours, et là, vraiment, je vais prendre parti. Ne payez pas un outil de programmation tant que ça ne vous saoule pas de l'écrire manuellement. Parce que parfois, on dit qu'on va programmer, mais si vous n'êtes pas encore vraiment tous organisés à la programmation, déjà avec la suite business et Canva, ou que la suite business et vous copier-coller le matin sur LinkedIn, parce que j'ai longtemps fait ça, enfin, vous allez sur LinkedIn le matin même pour essayer de faire un post, ça peut déjà fonctionner pas mal. Voilà, Edith, pour ma réponse. Et j'ai aperçu que Laura était complètement d'accord avec moi. Alors, Laurence, sur Facebook, quel outil numérique peut-on utiliser pour écrire et programmer un calendrier de publication? Alors, c'est un peu la même chose. Eh bien, du coup, je vais faire une nuance. Alors, si tu veux vraiment un calendrier de publication, il se trouve que sur Creator Studio, donc version PC, sur Creator Studio, tu peux avoir un calendrier de publication. Par contre, attention, c'est que pour Facebook et Insta. Donc, et sur Canva, que j'ai cité, donc Canva qui coûte, on va dire, 120 euros à l'année de tête en arrondissant pour être sûr d'être dans la fourchette haute. Il y a un calendrier de programmation, justement, où tu peux avoir vraiment le calendrier avec les cases et voir ce qu'il en est. Dans l'outil Swello et dans tous les autres outils qui existent, moi, j'ai souhaité Swello, allez, pour en citer un ou deux, il y a Hootsuite ou Later, par exemple, j'en ai cité, il y en a plein, hein, il y en a plein, plein. Tous ont intégré un calendrier de publication avec aussi des idées, des marronniers. Certains ont des idées, je sais que Swello l'a intégré. Donc, tous, finalement, comprennent ça. Par contre, alors c'est dommage, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il me sert de support, mais moi j'ai un calendrier carton, un calendrier perpétuel où j'écris à l'avance mes idées. Comme ça, j'ai la vision annuelle devant moi en permanence quand je travaille et je programme après sur mes applications. Voilà Laurence, j'espère que ça. Alors attention, pareil, je n'ai pas la science infuse, hein, c'est ma façon de travailler, mais j'ai payé effectivement longtemps des outils qui finalement je ne les utilisais pas à leur juste valeur. Émilie me dit, j'ai essayé les réels. Pas parfait, mais j'y suis arrivée. Donc oui, hein, il faut parfaire, mais on comprend la technique 1 ou 2 fois. Et les premiers ne seront pas parfaits, bah, vous les postez quand même. D'accord? Vous allez voir, les gens sont super indulgents en fait. Alors, Sandra, est-il possible de recevoir les news pour rejoindre et réaliser les défis? Ah, pardon, je n'avais pas compris. Alors oui, Sandra.
Très volontiers. C'est une question, mais tout à fait sympa, puisque je vais vous dire où est-ce que vous vous inscrivez à ma newsletter. Tout simplement, alors, toi, tu es sur LinkedIn. Donc, j'ai pas fait de lien sur LinkedIn. Donc, tu vas sur Internet, tu vas sur mon site, c'est 1Q2C.fr. Donc, www.1Q2C.fr. Tu arrives sur la page d'accueil et tu trouves tout de suite, vous aimez les défis? Laissez-moi votre email. Et tu recevras ton premier défi instantanément après avoir validé ton email et tous les 16. Donc, le prochain, c'est le 16 avril, tu recevras les nouveaux défis. Donc, au plaisir de te retrouver dans ces défis. Donc, Delphine et Sandra étaient en retard, mais c'est pas grave. Salut Christian, bonsoir à toi. Laurence, ok. Alors, pas de questions supplémentaires pour l'instant sur Facebook et LinkedIn. Pas de questions sur YouTube. Et sur Insta, alors n'hésitez pas s'il y a encore des questions. Sur Insta, je remonte. Hop. C'est Gabin, j'adore tes vidéos. Ben, génial, Gabin. T'as une question, Gabin, pour tes réseaux sociaux? Dis-moi, est-ce que... Alors, Gabin, pour la petite histoire, c'est mon petit cousin. Donc, Gabin, est-ce que pour le foot, tes réseaux sociaux, tu as une question pour les réseaux sociaux? Et j'y répondrai très volontiers, Gabin. OK. Dis à ta mère aussi qu'elle me pose un peu des questions pour ses réseaux et à ton père. Ah, j'en ai perdu un. Ah, et qu'est-ce qu'on dit quand on perd un? Ça peut être une question. Est-ce que c'est grave de perdre des fans ou pas? Est-ce que c'est grave de perdre des fans? Et ma réponse est, vous la connaissez, non, ce n'est pas grave, ça qualifie votre audience. Donc, n'ayez pas peur d'en perdre. Parce que ça aussi, hein, vous êtes très, très... Donc, dur, faut que j'aille... Ok, pour les tutos sur Google, je vais chercher. Ah, pardon, je n'avais pas vu toutes vos réponses. Canva version payante, oui, Edith. Hein, pour programmer les posts, c'est Canva en version payante. Avant de payer, attendez d'en avoir marre d'écrire en, sans programmer. Hein, d'accord? Toujours, hein, on ne paye pas pour payer, hein, surtout pas. Élégance végétale, donc Émilie, pardon. Ça y est, maintenant j'ai ton prénom, ça y est, c'est rentré. C'est lequel suite business? Alors, je ne peux pas vous montrer le logo, mais le logo, il est bleu clair, un peu grisé, avec un rond et un... On dirait un Pac-Man, un petit peu. Enfin, un petit peu, hein. D'accord. Mais on dirait un Pac-Man, voilà. Oh, c'est bleu... grisé assez clair avec un C et un... D'ailleurs, ça ne veut rien dire ce logo, je suis en train de réfléchir, ça ne veut pas dire Facebook, ça ne veut pas dire suite business, ça veut... mais voilà, on dirait un petit Pac-Man. Alors, je rejoins ici, donc ok, super les conseils. Merci Hervé. Donc là, on est bon. Alors, les clés de la réussite pour un groupe Facebook. Ah, Laurence, ça ne part pas le nord, Laurence. Hein. Laurence, elle m'a... Elle m'a posé la question dans le groupe Facebook privé. Hein. Vous pouvez le rejoindre aussi, ce groupe où on se pose des questions entre nous pour nous aider justement dans la bonne pratique. C'est sur Facebook, c'est un groupe privé où on demande à rejoindre. Et il s'appelle 1Q2C. Hein. Vous tapez le même principe, vous trouverez le groupe audit de communication avec Linda. Et on s'aide entre nous. Et Laurence a posé cette question aujourd'hui, petite coquine. Et je t'ai posé deux questions justement en te répondant dans ta question, dans justement qu'est-ce qui fait un bon nom de groupe. Toi, les clés de réussite d'un groupe, je vais quand même te dire. Putain, je fais que parler dans ces. Je vais quand même te dire qu'un groupe Facebook est difficile à animer. Moi, le mien, je l'anime pas comme il faudrait, mais pareil, on peut pas se démultiplier. Les clés de la réussite, c'est de trouver en tout cas un thème en parallèle à notre activité. Il ne faut pas dupliquer ce qu'il y a sur la page pro, d'accord? Ça, c'est vraiment important de ne pas dupliquer notre contenu de page pro et ce qu'on écrit dans le groupe. Je l'ai fait un peu au départ et ça marche pas, c'est normal. Les gens vous voient déjà sur la page, il n'y a pas de raison qu'ils, ou inversement, ils vous voient déjà dans le groupe, on ne duplique pas. Les bonnes clés, c'est... d'avoir un groupe pour rassembler une communauté. Finalement, sur la page, on peut fédérer une communauté, mais on est surtout en animation de communauté, alors que dans un groupe, on peut fédérer encore plus et on peut surtout créer une vraie relation entre les membres de ce groupe. C'est ce que j'essaye de faire dans le mien, petit à petit, qui est que vous vous aidiez les uns les autres. Je l'ai un peu dit dans
dans la réponse, Laurence, c'est que je t'ai posé deux questions pour te lancer dans ta réflexion. Et j'aimerais qu'une fois que tu nous répondes à ces questions, pour ton choix de nom de groupe, les autres aident à la réflexion. Je veux qu'on s'entraide. Et c'est un peu ça dans le groupe. Donc, toi qui fais des sorties entre filles, le groupe pourrait aussi, tu m'avais parlé d'une vraie raison aussi pourquoi les sorties entre filles étaient créées, pour sortir de l'isolement certaines femmes et autres, ce que tu m'avais un peu dit. On peut peut-être aussi aller dans ça, dans le groupe Facebook, et peut-être avoir une communauté un peu plus fermée, justement, pour échanger pour les futures sorties, par exemple, et ne pas le faire forcément en public sur la page. Donc, les clés, pour moi, c'est deux contenus bien différents entre la page et le groupe. Un nom qui parle à tout le monde et qu'on puisse retrouver dans les recherches facilement. Et après, une animation qui est régulière, mais ça va dépendre de l'objectif de ton groupe. Je sais pas si ça répond. C'est toujours un peu difficile parce que quand on n'a pas encore bien l'objectif. Moi, mon groupe, je l'avais créé juste après le confinement parce que j'avais fait plein de directs et vous m'aviez dit « ce serait sympa qu'on se retrouve ». Je l'ai créé. Une fois qu'on s'est retrouvés, je savais pas trop quoi faire avec vous. En gros, c'est ça. Et petit à petit, je prends le truc et on va y arriver. Voilà. Mais c'est-à-dire, je ne l'ai pas créé sous une impulsion finalement stratégique. Voilà. C'est petit à petit avec vous. Donc là, on est bon, mais on peut programmer avec Suite Business. Pourquoi payer ? Alors Delphine, si on peut programmer avec Suite Business, alors Delphine me dit, mais pourquoi payer ailleurs si on peut programmer avec Suite Business ? Suite Business, ce n'est que pour Facebook et Instagram, hein, puisque Suite Business est développé par Facebook et Instagram. Si tu es sur LinkedIn, si tu es sur Twitter ou autre, tu devras programmer par un autre outil, tout simplement. Voilà. Il faudra un autre outil à un moment donné. Véronique, ça bug. Alors, je ne sais pas si c'est la connexion ou si c'est autre chose. Alors, avant de passer... non, je vais rapidement répondre à Laurence encore. Est-ce qu'il existe un moyen de paiement via Facebook ? Non, pas encore en France. Je pense que tu parles pour la boutique. C'est dans les... Seulement si tu as un compte en Amérique. Donc, pour l'instant, en France, non. Quand tu vas créer des choses à vendre dans ta boutique Facebook, c'est soit on passe en message privé pour te l'acheter, et donc c'est une transaction, enfin déjà message, et au pire, t'envoies un lien de paiement en PayPal, soit tu renvoies vers ton site pour qu'il paye en ligne sur ton site. Non, pas de paiement intégré. Ok, alors je vais reprendre Insta et après je reviens sur Facebook avec Delphine. Alors Insta, c'est lequel ? Le Pac-Man, tac-tac. Déjà, il faudrait que je les convainque mes parents. Oh, tu es force de persuasion, Gabin. Tu peux convaincre tes parents d'avoir tes réseaux sociaux, mais t'es encore un peu jeune. Non, encore 1 ou 2 ans et c'est bon. Est-ce que TikTok ou Trailer vont arriver dans tes formations ? Non, je ne pense pas encore, malheureusement. Non, je pratique pas assez ces réseaux. Peut-être avec Greg, avec d'autres personnes, je pourrais en ouvrir, mais j'ai déjà trop de choses en fait de mon côté pour ouvrir d'autres réseaux. Déjà Facebook, Instagram, LinkedIn, j'ai de quoi faire. J'ai lâché Twitter déjà en formation. Je ne pense pas ouvrir. Ça c'est plutôt pour une lignée moi et ma vision d'entreprise. Pas encore parce que j'y vais pas assez et je me sentirais pas légitime à le faire tout simplement. Donc des conseils par-ci par-là pourquoi pas, mais je pratique pas assez pour avoir du recul. Voilà Laura. Qu'est-ce que nous faisons dans notre groupe de secrétaires freelance ? C'est ce que nous faisons, ok, mais dur de les motiver, c'est toujours très dur. Facebook, en plus, a perdu vraiment de l'engagement depuis quelques mois, je le ressens, vous le ressentez, vous m'appelez, ouais, mon audience, elle a divisé 2 par 2, j'ai un nombre de vues horrible, alors que j'ai vachement d'abonnés, et qu'avant, ça se passait bien. Donc, il y a quelque chose en ce moment, j'ai pas la réponse, mais on perd vraiment de l'engagement, donc oui, même dans un groupe, c'est assez dur à motiver. Il faut faire preuve d'imagination et de créativité, mais c'est très dur, c'est vrai. Ce soir, la connexion est pas facile, d'accord. Désolée si c'est moi, en tout cas. Trouver avec un peu d'hygiène le Pac-Man, ça parle. Ok, Émilie, cool. Si t'as trouvé le bon, c'est parfait. Génial. Alors, je reprends les questions de l'autre côté. C'est dur de jongler entre les deux. Alors. Laurence, non, Delphine. Quelle heure est-il ? Parfait. Perso, je fais sur la page les choses informatives et sur le groupe, j'essaye d'avoir ma clientèle à qui j'offre des animations pour les inciter
à prendre une consultation. Alors, tu veux dire que ce que je fais là avec vous, tu le fais dans ton groupe privé, hein, si j'entends bien, il me semble, des animations gratuites, c'est ça, j'imagine. C'est une bonne technique. Pour moi, je trouve que c'est dommage de faire des animations gratuites en privé parce que le but, c'est que moi, les mardis, c'est en public et j'attire des nouvelles personnes qui ne m'auraient jamais vu et n'auraient jamais trouvé le groupe. Mais attention, c'est ma vision. J'ai aussi un ami qui fait ça en Belgique, qui fait ses directs que dans le groupe. Et je trouve ça dommage parce qu'on perd de la visibilité ailleurs, parce qu'on est dans l'inbound marketing quand on fait ça. Et c'est vrai que c'est bien en tout cas de pouvoir toucher un peu plus d'audience. Je prends l'exemple de tout à l'heure Sandra sur LinkedIn. Il ne me semble pas qu'on se sera déjà croisé en formation. Et si je me trompe, je m'en excuse. Je pense que c'est le fait de voir les lives réguliers qui t'a fait venir, j'imagine. En tout cas, dis-le-moi si c'est ça. Mais en groupe privé, peut-être Sandra ne m'aurait jamais vu et jamais trouvé. Donc, pensez à ça. Mais c'est une bonne technique, Delphine. Ça me va. En tout cas, il faut le temps. Je vous dis toujours, hein, quand vous avez une stratégie, que vous avez décidé une stratégie, il va falloir l'appliquer au moins 3 mois, voire plus, pour voir si ça fonctionne. Parce qu'en 15 jours, on ne pourra jamais savoir. Donc, Delphine, tiens bon et on attend ton retour. Merci. Est-ce que le nom du groupe... Donc, Laurence, toujours pour son groupe Facebook, peut-être le même nom que la page pro ou mieux vaut-il un autre nom? Moi, j'aurais mis un autre nom. C'est dommage de trouver les deux quand on te cherche. Le nom de la page pro, c'est quand on te connaît. Le groupe, j'aimerais qu'on le trouve même si on ne te connaît pas. Ou en tout cas, s'il y a le même nom de la page, par exemple, c'est les sorties avec Lolo, ta page, tu pourrais avoir un nom de groupe by les sorties avec Lolo. Ça, pourquoi pas? Mais pas que le même nom que la page. Voilà. Ça répond. Oula, je fais de plus en plus court. je fais mes réponses de plus en plus courtes. Laurence, je pense mieux vaut un nom similaire qui inclut le nom de ta page pour être reconnaissable. Donc, pourquoi pas qui inclut, mais n'hésitez pas à faire, par exemple, les sorties by Lolo. Tu pourrais parler des week-ends et surtout de ce que tu montres, où est-ce que tu vas aller, quelle ville tu vas nous montrer sur ta page pro, alors qu'en groupe privé, parce que si les femmes parlent de leur isolement ou des soucis, justement, parce que je sais que tu vas aller plus loin, ben ça se fait en privé. Donc, c'est là où tu pourrais avoir un groupe qui n'a rien à voir avec les sorties, qui pourrait parler que de l'isolement des femmes, mais où dedans, tu parlerais de tes sorties. Parce que de toute façon, tu parlerais en tant que les sorties by Lolo. De toute façon, au sein du groupe, on verra ta page. Mais peut-être ça peut être intéressant de ne pas mettre le même nom. C'est une stratégie au départ, en sachant qu'on peut modifier le nom de son groupe, hein, d'accord ? Donc, en cours de route. Moi, je l'ai fait 2 fois. Hein, donc, on peut modifier complètement le nom, c'est pas gênant. Je sais pas si ça répond. Alors, attendez. Du coup, en parallèle, vaut mieux avoir un groupe de discussion. Alors, attendez. Du monde, dis donc. Ok, Laurence. Laurence, elle est au taquet ce soir. En parallèle d'un groupe Facebook, il vaut mieux un groupe de discussion avec WhatsApp ou Messenger? Alors là, WhatsApp ou Messenger, c'est à toi de choisir. Messenger est peut-être plus logique par rapport à ton groupe Facebook, j'allais dire. WhatsApp, quoique se démocratise pas mal, c'est surtout toi qui vas choisir. Et encore, à quoi il va servir? Est-ce qu'une discussion dans le groupe ne peut pas suffire? Réfléchis. J'ai pas en tout cas en toi de WhatsApp et Messenger, c'est toi qui ressens. Je vais pas vraiment t'aider malheureusement. Donc voilà, désolée, mais là j'ai pas. C'est toi qui va ressentir ça. Mais quand ton objectif de groupe sera trouvé, tu sauras ta réponse. Moi, j'ai pas de groupe à côté pour parler parce que les groupes WhatsApp c'est très chiant ou les groupes Messenger, c'est que quand tout le monde parle, on n'arrive pas à remonter dans la discussion. Par contre, tu me fais un groupe Messenger pour une sortie précise où vous êtes 6 ou 7, ça c'est OK. Ou un WhatsApp. Là, c'est Sandra me dit oui, bon bah super, tu m'as trouvé avec les directs, tu vois. Donc super. Quelle différence? Très bonne question, mais dis donc, vous êtes en forme. Putain, ce soir, c'est tous les sujets en même temps. Quelle différence y a-t-il entre un live, un direct et un salon? Donc, un live et un direct, c'est pareil. C'est ce que je suis en train de faire avec vous. C'est-à-dire que si là, je dis une grosse connerie, je ne pourrai pas revenir en arrière.
Surtout que j'en profite pour répondre en même temps à Laura qui me dit « Est-ce que tu laisses tes directs accessibles une fois terminés ?» Oui, Laura, tu vas sur mon Insta ou sur mon YouTube, tu retrouves tout. Du coup, c'est ça le live, c'est que si on les garde après, on peut les revoir. Alors qu'un salon sur Facebook, c'est comme un Zoom. Je sais pas si ça te parle. C'est une visioconférence, mais où tu vois tout le monde. Là, moi, je ne vous vois pas. C'est un direct. Alors que dans un salon Facebook, je vous vois et vous pouvez parler, échanger, faire comme ça. Je vous verrai. Voilà. Voilà, Laurence. Rassurez-moi quand même que je réponds bien à vos questions et que je passe pas trop vite aux autres. Alors, on y croit, je vais juste voir Insta avant. Ok, donc ça c'est bon, non, c'est bien, on est bon. Sur Insta, pas trop de questions. Oui, salut, bonne chance à tous ceux qui sont sur le live. Salut Gabin, salut Hervé. Ok, Laura. Alors, Valérie, sur LinkedIn, me pose la question, est-ce qu'on peut avoir un site WordPress que je n'ai pas et un blog ailleurs en termes de référencement? C'est en attendant de transférer le site après mon abonnement. Alors, elle est un peu vague ta question, mais c'est possible d'avoir un site et un blog à part. C'est un peu comme la page et le groupe Facebook d'ailleurs, pour le référencement. Par contre, attention, ton site, il a un nom de domaine et il est référencé par Google. Google le connaît, il connaît les adresses de tes pages. Si tu crées un blog complètement à part, tu devras trouver un deuxième nom à ce site-là pour que Google le prenne en compte. Et c'est vraiment deux entités bien distinctes. Si c'est en attendant que ce site se transfère ici, attention, du coup, il aura changé de nom. Donc ça, c'est pas bon parce que du coup, le référencement d'avant va se perdre quand il va se calquer sur le nouveau nom. Si par contre, je viens de relire ce que tu m'as écrit, le WordPress que je n'ai pas encore, c'est en attendant de transférer le site après mon abonnement WordPress. C'est en attendant de transférer le site après mon... Alors, j'ai pas compris ta question, mais à mon avis, ouvre ton blog sur un nouveau WordPress, mais a priori, tu n'as pas encore de site avant. Essaye de me redire. Je suis désolée, hein, parce que là, c'est très difficile par écrit. Mais essayez de, moi, je dis toujours de coupler les deux parce que pour moi, ça va ensemble. L'un sert l'autre, le blog et le site. Pour moi, c'est la même entité. Sauf si on se dit qu'on a déjà un blog depuis très longtemps. Sur le voyage, par exemple, je m'adresse par exemple à Laurent sur le voyage. Et que, en plus, on a notre activité de, qu'on ouvre, là, c'est plutôt sur le voyage en général. Soit je crée mon site rattaché à ce blog pour justement servir ce blog qui existe depuis longtemps. Ben, je viens le rattacher, on n'en parle plus, comme ça, il profite de son référencement. Soit je me dis, je crée un autre site parce que je vais garder mon blog voyage, je ferai des liens entre deux sites, mais là, je vais parler de mes sorties payantes. Voilà. Donc, ça va dépendre du contexte, en fait. C'est très dur à vous dire là, comme ça, mais. Essaie de me préciser, Valérie, si tu veux. J'ai le WordPress, mais j'en veux plus. Alors, est-ce qu'il est référencé, Valérie, ton site? S'il ne l'est pas, tu t'en fous. Tu peux déjà basculer sur un autre, effectivement, mais le blog, tu peux l'ouvrir avec un autre outil. Il y a juste que, du coup, si tu n'en veux plus du WordPress, ben, en cas, coupe-le et récupère le nom pour le nouveau blog. Et après, tu refais ton site. Tant pis pour l'abonnement, on perd peut-être... j'imagine que c'est l'hébergement que tu perds. Bah, des fois, il vaut mieux perdre 40 euros et basculer tout de suite que l'inverse. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est OK. Alors, attends. Je vais vérifier ici. Je n'aime pas WordPress. Ouais, ouais. Bah, c'est marrant. On en parlait ce matin sur Clubhouse. On a fait une battle WordPress Jimdo. Moi, c'est Jimdo que j'utilise pour les sites internet avec vous. J-I-M-D-O. Ciao, ciao, hein, pour ceux qui s'en vont. Ciao, Émilie. J-I-M-D-O, qui est beaucoup plus intuitif. Je n'aime pas trop Wix, parce que ça, c'est souvent mis sur la même échelle. Mais WordPress, je l'ai abandonné, pas parce que je ne l'aime pas. C'est pour moi le plus pertinent. Sauf quand c'est vous en face, en formation. Le WordPress, ça bloque au niveau technique. Et donc, je l'ai abandonné petit à petit. Voilà. Alors, Delphine me dit, c'est parce que je triche et que je partage d'autres groupes pour faire connaître mes animations. OK, pas de souci là-dessus. Alors, attendez, je vérifie juste sur Insta.
Tac, 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 tac. Attendez, hein, je vérifie. Serait-il possible? Donc, ça, c'est bon. Ah, c'est dur de jongler, dis donc. Il reste un petit quart d'heure en plus. Hein. Salut, bonne chance. Tac, tac. Parfait. Je regarde avec mon fils de 12 ans. Il vient de me dire, pose la question, ça veut dire quoi? Un cul de C. Alors, Déborah, un cul de C, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je crois qu'on t'a répondu juste en dessous. Un cul de C, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est une question de com. Tout simplement, faut pas aller chercher bien loin, mais très bonne question, tu diras à ton fils une question de com et j'ai réduit en un cul de C. Tout simplement. Alors, je dis pas beaucoup de bêtises, non, c'est pas vrai. Donc là, il y avait pas forcément plus de questions, mais très bonne question, le fils de Déborah. Alors, mettre des photos souvenirs dans le groupe qui vont permettre aux femmes de discuter. C'est pas mal, ça, Valérie, comme idée Laurence, pardon. Vous voyez, c'est ça, une vraie communauté. C'est que sur Insta, on demande ce que ça veut dire un QDC, vous répondez avant même que je réponde. Et là, Valérie donne des idées pour Laurence. Je vous kiffe, je vous kiffe. Merci pour ça, merci pour ça. Salut Sandrine. Alors, donc pas besoin d'inclure un lien Zoom sur un live. Ah, tu as perdu Laurent, ça y est, je commence à fatiguer. Pas besoin d'inclure un lien Zoom sur un live. Bah écoute, moi, mon live, il n'y a pas de lien Zoom. Tu vois ce que je veux dire? On pourrait faire un live, un Zoom diffusé en live, mais non, pas besoin de lien Zoom pour un live, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Salut Edith, hein. Ciao, ciao. Et tu vas relever le défi, très bien. J'ai le WordPress, mais j'en veux plus. Ok. Chloé, salut Chloé. On ne peut pas tout communiquer en public, je trouve, donc je préfère faire des lives sur mon groupe Facebook. Je me sens plus à l'aise, mais on peut varier en effet le contenu selon le type de diffusion. Alors Chloé, ça c'est le gros souci, je sais pas. Moi, je suis pas très d'accord avec ça, mais je l'entends en fait. Ce soir, je suis quand même en direct sur tous mes réseaux dits professionnels en t-shirt de surf, avec mes lunettes de surf et mon verre de vin. Est-ce que ça, vraiment, c'est normalement un contenu professionnel à diffuser sur LinkedIn, Facebook, YouTube et Instagram? La réponse va être quand même, parce que si je vous dis de faire ça sur vos réseaux, vous allez me dire, ah non, 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 je ne le ferai pas. Pour moi, à part les choses dites personnelles, la violence, ou les soucis vraiment de développement personnel, par exemple, qu'on pourrait rencontrer les discussions qu'on peut rencontrer lors du développement personnel, tout ce qui touche vraiment à l'intimité des gens, je suis entièrement d'accord. Ça se fait pas en direct avec tout le monde. Enfin, ça, c'est, là, il faut des groupes privés, au pire en live, effectivement, mais parce qu'on va parler de choses intimes. Le reste, vous avez peut-être, on a un ami commun, Chloé, qui est David. Dans ton métier, Chloé, à moins que je n'ai pas tout le contenu, mais dans ton métier, il me semble pas qu'il y ait des choses intimes. Pour moi, aucun problème de le faire de partout. Et même si aujourd'hui, je vous dis Facebook, c'est de la merde, ben, il n'y a pas de raison que je puisse pas le dire en public. Bon, c'est pas vrai, hein. Moi, je suis encore une adepte Facebook. Mais c'est important de se dire, est-ce que on ne peut pas le dire en public? Ou est-ce que, parce qu'on ne peut pas tout communiquer en public, c'est ça que tu m'as dit. Est-ce que vraiment on peut pas le dire en public? Ou est-ce que vraiment tu ne te sens pas de le dire à tout le monde? Et pour moi, je pense que c'est, on ne se sent pas de se montrer, de prendre parti devant tout le monde. Et le jour où on débloque ça, ça change tout. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux prendre parti et vous dire, n'utilisez pas WordPress. N'utilisez pas WordPress si vous n'avez pas de connaissances informatiques ou une personne qualifiée qui sera disponible régulièrement. Voilà. Et ça, je peux le dire à tout le monde. Et je l'ai encore défendu ce matin sur Clubhouse, dans l'émission du matin. Parce que pour ceux qui ont Clubhouse, je suis tous les matins à 7h45 sur Clubhouse. Avec justement David Licop, spécialiste du référencement, qui utilise WordPress. Et ce matin, on se battait. On avait fait une battle pour voir quel est le meilleur. Et je vais vous dire, on peut prendre parti pour tout. Donc, je ne sais pas, Chloé, si
On est d'accord, hein, mis à part les choses très personnelles, et là je suis entièrement d'accord, le reste pour moi peut se dire, attention, hein, étape par étape, hein, mais peut-être que le 10, 11 mai, ça débloquera certaines choses. Mais c'est ça, pour moi, tout est possible, voilà, en communiquer en public. Alors, je commence à fatiguer, je vous l'avoue, mais on va finir les dernières questions. Parce que j'ai pas mangé, il faut que je mange. Peut-être aussi parce que j'ai fini mon verre, hein, à voir. Et pourquoi pas, je le ferai avec un mojito. Oui, c'est vrai. Alors, Delphine, comment fonctionnent les salons? C'est pour des membres précis, par exemple. Est-ce que je peux l'utiliser pour faire une médiation, une consultation avec un ou plusieurs membres du groupe précis? Est-ce que tout le groupe voit le salon ou on peut choisir quel membre le voit? On peut faire Non, tout le groupe le voit, je crois, de tête, à vérifier, mais il me semble que tout le groupe le voit. Et tout le monde pour le rejoindre, parce que quand tu le crées, à moins qu'on puisse inviter que quelques personnes, ça c'est à vérifier techniquement. Lors de la création du salon, on fait un test. Lors de la création du salon, j'ai pas assez manipulé pour te dire si on peut choisir des personnes, mais tu le verras vite si on peut le faire. Ou alors il s'ouvre à tout le groupe. En fait, les salons, c'est vraiment comme un zoom. C'est à ça qu'il faut penser. Vous verrez tout le monde et tout le monde vous verra et verront les autres. C'est comme un zoom. Tout le monde se voit. Alors, sauf s'il coupe la caméra, on est d'accord. Et encore, est-ce que vraiment on peut la couper? À voir. Mais je pense que oui. Donc oui, c'est pour faire une médiation. Mais pour les membres, il faut tester. J'ai pas la réponse. J'ai pas assez manipulé pour te le dire. Donc essaye. Crée un salon. Tu le fermes après et tu le supprimes. Hein, crée, vois ce que ça donne. Donc ok. Donc Laurence, du coup, j'ai répondu aussi à ta question. Émilie, non, je suis pas encore là. Linda, peut-être que finalement il vaut mieux un thème, c'est peut-être moins épuisant pour toi. Ben, c'est vrai que de jongler d'une question à l'autre, c'est vrai que ça peut être épuisant. Ouais, c'est parce que c'est des journées intenses en ce moment et ça fait 3 semaines que je décolle pas vraiment. À part dimanche où j'ai dormi 24 heures, mais sinon, ok. Donc, en tout cas, tout le monde, donc plus de questions de ce côté-là, mais il est 22, on est pas mal. Ici, ben, on est bien, je crois qu'il n'y a plus de questions. Si jamais j'ai loupé une question, reposez-moi-la vite fait, enfin, en tout cas, en copiant-collant, parce que je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Allez, j'attends 30 secondes, voir s'il y en a une autre. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je vous rappelle, hein, j'étais en mode vacances ce soir, pas de thème, je réponds à vos questions. Delphine me dit, pour info, grâce à tes conseils, je suis bientôt à 100 j'aime, merci, c'est gentil. Surtout, oui, tu l'as ouvert il n'y a pas si longtemps, bravo. Continue. On reprend la phrase du début, la phrase qui est une bonne communication, c'est une communication régulière. Exactement régulière. Ok. Bah écoutez, est-ce qu'il n'y a pas une autre question? J'arrête dans 3, 2, attention, il n'y a pas d'autre question, donc je vais lancer la musique. Et au pire, j'en prends une dernière pendant la musique. Mais merci, parce que ce soir, c'était un non-thème, je le referai hein, de temps en temps. J'ai répondu à plein de questions différentes. À part peut-être la colle pour le salon où je ne peux pas répondre, mais en pratiquant Delphine, je sais que tu trouveras la réponse. Merci à tous. Merci Sylvie, à jeudi. Sylvie, on fait la formation jeudi et vendredi. Écrire, créer, monter et diffuser ces vidéos sur les réseaux sociaux en présentiel. Ici, assis pour les plages, 2 jours ensemble, Sylvie, avec Loïc Passikos. J'ai hâte. N'oubliez pas, comme ça en conclusion, je vous redis tout. Inq2c.fr, vous avez les défis communication que je vous envoie pour créer du contenu. Le groupe privé Facebook Inq2c pour auditer votre com entre nous et s'entraider. Et j'ouvre, vous avez vu mes ongles que j'ai préparés pour vous? Ah ah ah! Fin avril et début mai, on ouvre mieux se connaître pour enfin avoir une communication qui nous ressemble. On va parler de couleur de personnalité, on va parler de qui vous êtes au fond de vous, là vraiment, et on va parler de communication. Tous les renseignements sont sur mon site internet dans la rubrique formation. Merci
Oui, Sonia, tu arrives un peu tard, tu vas regarder le replay. En tout cas, beaucoup de questions en vrac ce soir, mais c'est ça qui fait que vous avancez petit pas par petit pas, mais sûrement, et ça, j'adore, j'adore. Super, merci à tous. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord quitter Insta comme la tradition le veut. Attention, Insta, je vous coupe dans 3, 2, 1. Ciao, ciao, Insta. Et LinkedIn, Facebook et YouTube, je vous coupe aussi. Alors, attention, je vais me préparer. Dans 3, 2, 1. Ciao, ciao.